Que ma bouche chante ta louange.
Bonjour à tous, bienvenue, quelle joie de vous accueillir, en particulier les parents qui ont suivi ce matin le premier des DDD. Ça veut dire quoi DDD? C'est les 10 dimanches pour Dieu. Voilà, ils accompagnent leur enfant dans leur chemin de foi, notamment à travers le catéchisme. Bienvenue à tous les paroissiens qui rendent un service sur nos paroisses et dans notre école. Soyez bénis et vous serez envoyés en mission tout à l'heure, au cours de cette Eucharistie. Nous sommes bien entendu en communion avec tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à être malades, à être alités. Nous sommes en communion de prière avec vous. Voilà, prenons, frères et sœurs, quelques instants pour nous accueillir les uns les autres en ce début de célébration. Voilà, demandez les prénoms de ceux qui sont devant ou derrière vous, que vous ne connaissez pas, et nous allons nous porter dans la prière tout au long de cette Eucharistie. Frères et sœurs, désormais, nous ne sommes plus une foule, mais un peuple rassemblé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec votre esprit. J'ai oublié d'accueillir Thérèse. C'était sa fête hier, alors on a laissé son portrait, on a eu une très très belle veillée de prière que d'ailleurs on a mise sur la chaîne YouTube. Si vous voulez prier à la maison, voilà, c'est fait aussi pour ça. Frères et sœurs, pour bien participer à cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous avons blessé notre Seigneur, que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Plus haut des cieux, épais sur la terre. Oh.
nous chantons ton immense gloire, nous chantons gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, épais sur la terre, aux hommes qu'il aime, nous chantons gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, épais sur la terre, aux hommes qu'il aime. Ô Seigneur Dieu, toi le roi du ciel, Dieu notre Père, tu es tout puissant. Jésus le Christ, toi le Fils unique, agneau de Dieu, toi le Fils du Père, nous chantons gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, épais sur la terre, aux hommes qu'il aime, nous chantons gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, épais sur la terre, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi le Très-Haut, Jésus le Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père, nous chantons gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, épais sur la terre, aux hommes qu'il aime, nous chantons gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, épais sur la terre, aux hommes qu'il aime. Prions. Seigneur Dieu, tu as envoyé dans le monde la puissance de l'Évangile à la manière d'un ferment. Accorde à tes fidèles que tu as appelés à vivre et à agir au milieu du monde, d'être animés de l'esprit chrétien, pour qu'en accomplissant leurs tâches temporelles, ils contribuent sans cesse à l'avènement de ton règne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Habacuc. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes, crier vers toi violence, sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la, elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Magnifie le Seigneur, oh, oh, oh mon âme, et bénis son saint nom. N'oublie pas ses bienfaits, oh mon âme, je bénirai son saint nom. Oh, mon âme,
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer, dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté.
avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur : Augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table. » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Voilà les enfants, vous pouvez aller à la salle Saint-Dominique pour une petite homélie, juste pour vous. Frères et sœurs, vous connaissez le point commun entre un boxeur et un paroissien de Solliès ? Eh bien, les deux savent qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. L'Évangile nous parle du don de soi dans le service. Et c'est le cœur de ce dont je voudrais vous parler ce matin. Mais avant, revenons à la première lecture. Le Seigneur dit, « Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. » Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Il y a quelques années, les membres du conseil pastoral ont travaillé et beaucoup prié pour recevoir du Seigneur une vision pour la paroisse. Beaucoup la connaissent. Rencontrer Jésus, l'aimer, rayonner de sa joie et ensemble marcher à sa suite. Alors, comme le Seigneur nous le demande, nous l'écrivons sur des tablettes. Mais pas seulement sur des tablettes, vous voyez, sur aussi des petits bracelets, des stylos, des autocollants. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent des autocollants, j'en ai à la sortie. Des kakémonos, des éco-cups, etc. C'est quoi le but ? C'est déjà de la retenir. Mais la retenir, juste pour la retenir, ça n'a aucun sens. Le but, c'est surtout d'en vivre, de vivre de cette vision que le Seigneur nous a donnée.
Et donc, il nous demande de vivre cette vision à nous qui fréquentons cette paroisse. Vous l'avez remarqué, notre vision est profondément missionnaire, tant par la rencontre avec Jésus, rencontrer Jésus, que par aussi le rayonnement de la joie du Christ qui nous donne toujours cette joie de venir dans nos assemblées. Mes frères et sœurs, soyons honnêtes, sans les très nombreux serviteurs, bénévoles, qui donnent du temps, de l'énergie, de leurs compétences, la paroisse ne pourrait absolument pas exister. Et elle ne pourrait pas vivre cette vision. Et donc, elle ne pourrait pas non plus être missionnaire. À Solespont et à Solestoucas, vous êtes plus de 220 bénévoles à vous engager dans plus de 120 services. Alors, c'est pour moi, ce dimanche, l'occasion de vous remercier et de vous féliciter pour votre engagement au service de nos paroisses et aussi de notre école Notre-Dame. Vous faites un travail exceptionnel. Et si les nombreux serviteurs qui s'activent si généreusement toute l'année n'étaient pas là, nous ne pourrions pas accueillir les nouveaux paroissiens qui font cette rencontre avec le Seigneur dont parle notre vision. Et je rends grâce parce que vous êtes de plus en plus nombreux à avoir compris que vous êtes co-responsables de la mission avec le curé, avec moi. Et comme ma tâche n'est pas seulement de nourrir les chrétiens plus ou moins affamés qui viennent plus ou moins par habitude, pas seulement que de baptiser, de marier, de célébrer des obsèques, mais ma mission première, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du Christ qui est mort et ressuscité pour nous racheter de nos péchés. C'est ça le cœur de ma mission. Eh bien, sans vous, frères et sœurs, qui avez compris la grandeur de cette mission, eh bien, je ne pourrais pas faire grand-chose. Le Seigneur m'a confié pas loin de 20 000 âmes, tant à Solespont qu'à Solestoucas, qu'aussi les parents et les enfants de l'école Notre-Dame. Et ces 20 000 âmes ont droit, comme chacun de vous, d'apprendre, de connaître cette bonne nouvelle, que nous ne sommes pas faits que pour cette vie ici-bas, mais pour la vie éternelle, vivre en communion avec Dieu et dans l'amour pour toujours. Oui, frères et sœurs, cette parole que nous annonçons, c'est une parole de salut. Le pape François, il y a quelques années, avait tweeté, c'était en octobre, je me souviens, « Vivre la mission dans le service, voilà la seule façon d'être un disciple de Jésus. » C'est fort, non ? Vivre la mission dans le service. Voilà, frères et sœurs, comment être un disciple, un ami de Jésus. Voilà comment nous pouvons être missionnaires, en nous mettant au service de la paroisse. Et je vous l'ai dit, pas loin de 120 services différents, il y a à peu près une soixantaine de responsables de service. Je suis convaincu qu'il y a bien un service où vous pourriez trouver votre joie, vous épanouir, vous sentir utile. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là au service pour être au service. Nous sommes là pour le salut des âmes. Y a-t-il une cause plus grande que celle du salut éternel des âmes ? Avant, je mettais des moteurs au point pour une entreprise française, automobile. C'était bien. Mais par rapport au salut des âmes, frères et sœurs. Et encore avant, je vendais des serveurs informatiques. Ces voitures, ces serveurs ne sont pas éternels, nous le savons. Alors que nos âmes, elles, sont éternelles. Y a-t-il une mission plus importante que de permettre à d'autres personnes d'aller au ciel ? Un vieux juif, il se murmure que c'était le papa de Monseigneur Jean-Marie Lustiger. Il meurt et il rencontre Dieu le Père en arrivant au paradis. Alors il fait avec Dieu un peu le bilan de sa vie. Et ce vieux juif dit à Dieu le Père, « La pire chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est quand mon fils s'est converti au catholicisme. » Dieu le Père lui répond, « Ah, moi aussi, ça m'est arrivé. » Et qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai écrit un Nouveau Testament. Cette semaine, j'ai eu la chance de voir un film en avant-première. Le titre, Entre ciel et terre. Il va passer en novembre au cinéma Le Rio.
pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont nouveaux, c'est à 200 mètres d'ici, juste après le pont. Il traite d'un sujet qui nous concerne tous, sans aucune exception, la vie après la mort. Qui ici ne se sent pas concerné? Levez la main pour voir. Ah, il y a un petit. Mais c'est normal. Il a certainement le temps de voir. Oui, frères et sœurs, et dans ce film, ça secoue, hein, parce qu'on nous parle de la vie après la mort, du purgatoire, dont nous parlons assez rarement, et de l'enfer, dont on parle quasiment jamais. Pourtant, lui, le Seigneur, en parle. J'en suis convaincu, quelle grâce nous avons, frères et sœurs, d'être là, ici, vivants, ce matin. Parce que, à l'instant présent où je vous parle, ou peut-être dans 10 minutes, ou cet après-midi, nous avons la possibilité de choisir le bien, de choisir d'aimer à temps et à contre-temps, de faire de notre vie un « je t'aime », à Dieu, aux autres. Et c'est quoi ça? C'est se convertir, tourner vers Dieu. Et à tout moment, nous avons encore cette possibilité de le faire. Et nos défunts, ils ne peuvent pas. Et combien, je pense, aimeraient être à notre place ce matin pour nous décider pour le bien, pour nous décider pour Dieu. Souvenez-vous, je crois que c'était dimanche dernier, la parole était glaçante, celle du riche et de Lazare. Un prêtre catholique très pieux, très zélé, a eu cette grâce immense par Dieu d'aller visiter le paradis et l'enfer. Le bon Dieu l'emmène, pour commencer, en enfer. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un groupe, un énorme groupe de personnes rassemblées autour d'une énorme marmite dans laquelle cuit un plat à l'odeur délicieuse. Et toutes ces personnes, c'est surprenant, sont tristes, paraissent malheureuses, toutes maigrichonnent. Et pour cause, chacune a dans la main une cuillère longue de 2 mètres de long. Autant vous dire, impossible pour elle de se nourrir. Le prêtre est dévasté devant ce spectacle infernal. Et puis, le bon Dieu lui dit, viens, on va aller visiter le paradis maintenant. Et là, que voit-il? Un énorme groupe de personnes devant une immense marmite. Dans cette marmite, cuit un plat à l'odeur délicieuse. Et toutes ces personnes sont joyeuses, souriantes, bien en chair, bien nourries. Et pour cause, chacune a dans la main une cuillère longue de 2 mètres de long. Mais chacune nourrit le voisin qui est en face. Frères et sœurs, à l'image de ce que je vous disais il y a un an, pour ceux qui étaient là, dans cette messe où nous allons bénir une nouvelle fois tous les bénévoles, j'aimerais redire que l'engagement au service permet de grandir. Le service permet de se décentrer de soi, de ne pas regarder que son petit nombril ou avant tout son petit nombril. Frères et sœurs, un chrétien qui ne grandit pas dans sa vie chrétienne est un chrétien immature. C'est vrai aussi pour les prêtres, hein, je m'inclus. Nous sommes tous appelés à grandir jusqu'à la sainteté. Et donc, nous devons tout faire pour éviter le purgatoire et évidemment l'enfer. Le service de nos frères, le service de notre paroisse est un moyen de grandir dans l'amour, de grandir jusqu'à la plénitude de la sainteté. Saint Ignace de Loyola rappelait si régulièrement que nous sommes faits pour 3 choses sur terre. Louer, respecter et servir Dieu. Voilà ce pourquoi nous sommes faits, frères et sœurs. Servir Dieu. C'est dans notre nature profonde, la nature même de l'homme, et d'être au service de celui qui nous donne la vie, celui qui désire nous rendre heureux pour l'éternité. Alors, je le crois vraiment, quel honneur, quel privilège de pouvoir servir le Seigneur à travers le service de nos frères,
de nos sœurs, de notre paroisse. Le fait de servir le Seigneur, c'est déjà notre récompense et notre joie. Chaque service, quel qu'il soit, comme disait le pape François, est une part de l'annonce de l'Évangile. Et c'est pour cela qu'il y a forcément, dans chaque service, une croix, une souffrance, un lieu de croissance. Parce que Dieu donne dans l'épreuve la grâce de la surmonter pour grandir. Et c'est pour ça que saint Paul disait dans la deuxième lecture, « Avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. » Il y en a, quand des souffrances arrivent dans le service, ils partent. Et pourtant, vous voyez, saint Paul nous avertit, « Prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. » Prenons un exemple. Le nettoyage des toilettes de la salle Saint-Dominique. Ce n'est pas le service le plus motivant, c'est sûr, et ce n'est pas le plus gratifiant. Et pourtant, les personnes qui accomplissent ce service, je le crois, sont les plus grands missionnaires de notre paroisse. Pourquoi ? Parce que les statistiques des études très sérieuses dans différentes églises protestantes et les paroisses catholiques montrent que le critère de la propreté de l'église et surtout des toilettes est un critère rédhibitoire. Il fait partie des trois critères les plus importants pour savoir si les gens vont revenir dans cette église ou dans cette paroisse. J'en vois qui acquiesce. Peut-être que vous avez déjà trouvé les toilettes dans un sale état. Et oui, parce que quelqu'un qui débarque et qui va aux toilettes et qui sent les odeurs n'a pas du tout envie de revenir dans la paroisse. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que ça se mémorise beaucoup plus que toutes mes homélies. Alors merci à ceux qui font ces services cachés, discrets, humbles. Il n'y a pas de service sans importance, frères et sœurs. Tous permettent de construire le royaume. Oui, soyons réalistes. Servir est difficile parce qu'il n'est pas naturel. Nous préférons être servis plutôt que de servir. Mais servir, consiste à faire attention aux autres avant de penser à soi. Les vrais serviteurs ne cherchent pas à se servir de Dieu pour arriver à leur fin, mais ils laissent Dieu les employer pour qu'ils puissent accomplir ses plans à lui. Frères et sœurs, demandons au Seigneur d'être renouvelés ce matin dans notre grâce de service. Peut-être que tu peux aller appeler les servants et les servantes, puisque je vais prendre un temps pour vous appeler. Et que vous puissiez ce matin repartir tout joyeux d'être au service de nos paroisses, de notre école. Et que le don de vous-même, quotidiennement ou chaque semaine, fait que vous puissiez grandir et que vous deveniez, vous et moi, que nous devenions des saints disciples serviteurs. Je vais maintenant appeler tous les bénévoles, service après service, et vous allez venir ici même sur les marches de l'hôtel quand votre service est appelé. Le conseil pastoral, les aumôneries des jeunes, le conseil économique, les cierges, le denier du culte, le secrétariat, les services administratifs, les travaux, l'entretien, tout ce qui est communication, site internet, newsletter, diffusion sur YouTube. Enfin, il faut bien qu'il y en ait un qui reste pour que ceux qui suivent continuent de voir. Tous ceux qui gèrent la salle Saint-Dominique, la préparation des repas, le service évangélique des malades, des maisons de retraite, la pastorale du deuil, des défunts, les tables ouvertes paroissiales, le secours catholique, la consécration à Marie, la Vierge de Schoenstatt, le reposoir, la chapelle d'adoration, le chapelet, la crèche, la veillée de Noël, la prière universelle, l'équipe de la sainteté des prêtres, l'équipe d'animation liturgique, chorale, sono, projection des chants, décoration, fleurs, les sacristines, le linge d'autel, la couture, les lecteurs, l'organisation de week-end de Saint-Esprit par exemple, la vigile pascale, les missions ponctuelles d'évangélisation, mission Noël, forum des associations, sacrée musique, Saint-Christophe, Sainte-Christine, les concerts, tous les catéchistes à l'école et ici et à Toucas, l'éveil de la foi,
la préparation au sacrement des adultes et des enfants, les trios, les parcours de formation, le post-alpha, les équipes de préparation au baptême, les serviteurs du parcours alpha, les témoignages, les 10 dimanches pour Dieu, les responsables des chapelles, la librairie, l'organisation des pèlerinages, Toussaint, Cotignac, évangélisation de rue, stand sur le marché. Venez devant, encore il y a de la place. Venez, venez, venez. Les scouts, vous voyez, ils sont là, les scouts. Venez bien devant qu'on vous voit. Personne ne va vous manger. Hein. Voilà, les bières-prières, les open brunch, les temps fraternels, la journée des familles, la prière des frères, tout le pôle accueil, la garderie. Il faut bien rester quand même avec les enfants. L'accueil des messes, le café, l'apéritif. Bref, je suis sûr que j'en ai oublié. Voilà, avancez-vous, s'il vous plaît, juste devant. Merci. Et évidemment, tous les servants et les servantes de l'Assemblée. Voilà. Oh, on allait les oublier. Voilà, merci Seigneur pour tous ces bénévoles, tous ces serviteurs qui sont là et que je vais bénir. Voilà, ouvrez tout grand vos cœurs. Nous allons d'abord prendre un chant à l'Esprit Saint. Il y a encore des musiciens qui sont restés. Génial. Merveilleux. On va invoquer l'Esprit Saint. Au piano. Esprit de lumière. Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Ensemble, Esprit de lumière. Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Tu es béni, Seigneur Dieu de miséricorde, toi qui nous as donné en ton Fils Jésus-Christ le modèle suprême de l'amour et qui nous a transmis par lui le commandement de nous aimer les uns les autres. Comble de ta bénédiction tes serviteurs que voici, qui se dévouent généreusement pour aider leurs frères et leurs paroisses. Lorsque les besoins sont sans cesse plus urgents, qu'ils puissent mettre tout en œuvre et tout leur cœur et toute leur force à te servir en se mettant au service de leurs prochains, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous. Voilà, frères et sœurs, maintenant nous allons tous ensemble prier pour tous ceux qui ne sont pas encore au service. D'ailleurs, alors en vous regardant, je vois qu'il y a quand même beaucoup de timides, parce qu'il y a plein de personnes au service qui ne se sont pas levées. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui t'es fait le serviteur de tes frères, nous te prions de bénir ceux qui n'ont pas encore goûté la joie du service et qui n'ont pas encore entendu résonner dans leur cœur l'appel à se laisser transformer par la puissance de ton esprit de service. Viens les renouveler, les attirer toujours plus à toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. 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 On peut applaudir tous ces bénévoles, ces serviteurs.
Je me permets un petit mot avant qu'on retourne à nos places. Je pense parler au nom de tous et dire à quel point nous sommes heureux d'être au service pour la gloire de Dieu et le salut des âmes à travers chacun de nos services dans cette paroisse. Et on voulait profiter de rendre grâce et de dire un grand merci à notre curé qui nous permet de vivre tout ça. Voilà, merci. Merci à vous. Nous allons proclamer fièrement notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères et sœurs. Pour les servants d'autel et les servantes de l'Assemblée qui participent activement à la beauté de la liturgie, pour tous ceux qui assurent ce service dans l'Église, qu'ils puissent rencontrer le Christ plus intimement et être davantage nombreux. Seigneur, nous t'en prions. Entends le cri des malheureux, prends pitié de tes enfants, vois ne tarde plus, ô Dieu, pose ton Pour tous les parents qui se retrouvent pour les 10 dimanches pour Dieu, qu'ils découvrent ton amour pour chacun d'entre eux, qu'ils apprennent à mieux te connaître et puissent accompagner leurs enfants dans leur chemin de foi. Seigneur, nous t'en prions. Entends le cri des malheureux, prends pitié de tes enfants, vois ne tarde plus, ô Dieu. Toutes les personnes malades ou isolées, et pour tous ceux qui souffrent de la mort d'un être cher, Seigneur, nous te prions. Entends le cri des malheureux, prends pitié de tes enfants, vois ne tarde plus. Augmente en nous la foi, prient les apôtres. Que notre communauté soit toujours plus fidèle, priante et enthousiaste à partager cette foi. Seigneur, nous te prions. Entends le cri des malheureux, prends pitié de tes enfants, vois ne tarde plus. Dieu qui désire sauver tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà justement le moment de la quête. Merci d'avance de votre générosité. Vous pouvez donner, vous le savez, avec votre smartphone ou une carte bleue sans contact. C'est Hélène qui aujourd'hui a le panier connecté, donc vous pouvez lui faire un petit geste, elle viendra vers vous. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, il y a le QR code qui s'affiche en ce moment, vous pouvez le scanner
avec votre smartphone, ou autrement, dans la description de la vidéo, vous avez les liens pour faire un don. Merci beaucoup de votre générosité. Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu as voulu sauver le monde entier par le sacrifice de ton Fils, et tu ne cesses d'appeler aussi à l'apostolat les laïcs, tes serviteurs. Fais que, par la force de cette offrande, ils imprègnent le monde de l'Esprit du Christ et ils soient un ferment de sainteté par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Nous chantons Saint, 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 le Seigneur, nous chantons Saint, 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 Dieu de l'univers, nous chantons Saint, 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 le Seigneur, nous chantons Saint, 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 Dieu de l'univers, et le ciel et la terre
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, la fraternité missionnaire, Marie, mère des apôtres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour Marc, pour Sébastien, pour Yvonne et Henri Linares, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un geste de paix. Toi, l'agneau de Dieu, moi qui enlève les péchés du monde, prends pitié. Frères et sœurs, dans quelques instants, c'est le moment de la communion. Il y a deux moyens de recevoir la grâce du Seigneur. Premier moyen, vous venez comme ceci, en mettant les bras croisés sur la poitrine, et vous recevrez la bénédiction. Deuxième manière, pour ceux qui sont baptisés, qui croient à la présence réelle de Dieu présent dans ces hosties consacrées, pour ceux qui se sont confessés récemment, vous pouvez communier en recevant le corps du Christ. Nous vous demandons de communier à côté de la personne devant ou à côté de la personne qui vous donne notre Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Il s'est abaissé en devenant obéissant. Il s'est dépouillé de sa gloire. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. C'est par lui que nous connaissons la fidélité.
Prions. Nous qui avons part à la plénitude de ta grâce, nous t'en prions, Seigneur, pour tes fidèles engagés dans le monde et dans l'Église selon ta volonté. Ils viennent d'être réconfortés par le banquet eucharistique, fais qu'ils soient des témoins ardents de la vérité de l'Évangile et rendent ton Église toujours plus présente et belle dans les réalités temporelles par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir quelques instants pour les annonces. Voilà encore un immense merci à tous les bénévoles, tous les serviteurs de notre paroisse, de notre école. C'est vraiment un privilège de servir le Seigneur avec vous. Merci de vous donner souvent sans compter, de manière cachée. Et je vois combien le Seigneur fait des merveilles à travers vous. À l'issue de la célébration, vous recevrez une feuille avec différents services. Je m'adresse en particulier à ceux qui aimeraient peut-être se mettre au service. Voilà, n'hésitez pas à la remplir et à la remettre soit au secrétariat, soit à l'une des personnes de l'accueil, soit dans la boîte aux lettres. Cet après-midi, il y a à 14h30 le loto du Secours catholique. Donc ça sera à la salle des fêtes à 14h30. Sachez qu'il est encore possible de rejoindre notre parcours alpha, c'est le mardi soir à 19h30. Voilà, si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui voudraient passer une bonne soirée à se poser des questions sur le sens de la vie et qui est Jésus, eh bien, vous pouvez encore les inviter ce mardi. Il y a quelques invitations au fond de l'église. Pour le pèlerinage à Medjugorje, bonne nouvelle, il reste quelques places, puisqu'on avait racheté des places. Il n'y a pas besoin de test PCR ou de carnet de vaccination pour aller en Bosnie-Herzégovine. Voilà, et puis pour tous ceux qui auraient des difficultés financières, vraiment, n'hésitez pas à en parler, nous avons encore reçu des dons, donc il faut bien que ça serve. Donc vraiment, ne loupez pas cette opportunité d'aller dans ce lieu de grâce extraordinaire. Et puis, dernière annonce, si vous n'êtes pas encore confirmé, sachez que même adulte, il est possible d'être confirmé. Donc vérifiez si vous avez été confirmé jeune, peut-être ce n'est pas le cas, et si vous n'avez pas été confirmé, venez nous en parler. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Bon dimanche à chacun. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter l'Évangile du Seigneur.